Shalom peuple de Dieu, soyez bénis chez vous. Je suis le prophète Magier Gaston Flamme. Je viens vers vous ce matin pour vous appeler à suivre un grand message, un message puissant intitulé « Ma famille est consolée ». Ma famille est consolée, c'est-à-dire maintenant vous ne vivrez plus les mêmes choses parce que Dieu intronise une grâce, une bénédiction dans ta famille. La même mortalité ne reviendra plus jamais. La même souffrance ne reviendra plus jamais. Et c'est un message très, très capital. Quand vous allez suivre ce message, vous ne serez jamais les mêmes personnes, mais vous serez transformés et bénis de la part du Seigneur. Suivons, à bientôt. Lève-toi de main. Merci Seigneur, merci le roi pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Ta main et ta grâce nous couvrent. Ton esprit de miracle est toujours tendu vers nous. Nous te disons merci parce que tu es le consolateur. Nous te disons merci parce que tu es notre force. Nous te disons merci parce que tu es notre bouclier, notre refuge. Mon âme te lève, mon âme te loue. Mon âme te glorifie en ces jours, Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur Dieu, tu as combattu pour nous. Merci Seigneur, tu as détruit les pouvoirs maléfiques à notre faveur. Tu nous as donné la victoire. Tu as renversé toute personne qui était forte sur notre chemin tout au long de la semaine. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. Vérifiez encore, acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Qui est béni? Aide-moi à dire à ton voisin, sois béni. Dis-lui très bien, sois béni. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce matin qui est un matin de grâce, un matin de gloire. Un matin de miracle. Tu es unique pour vivre un miracle unique. Lorsque Dieu t'appelle dans une famille, tu es seul. Mais le miracle va faire quelque chose qui va bouleverser ta famille. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu doit exaucer tes prières. Nous avons traversé toute une semaine appelée la prière intense dans la semaine, où les enfants de Dieu ont prié. On a pleuré devant Dieu et nous sommes convaincus que Dieu a déjà fait. Nous sommes convaincus que ce qui était impossible est devenu possible. C'est pour cela que je souhaite que tu acclames très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Cette semaine, nous avons prié. Les sorciers se sont levés, on les a renversés. Et je sais que tu es dans un processus d'accomplissement. Les choses qui semblaient être impossibles, Dieu te les rend déjà possibles. Et aussi, tout au long de cette semaine, la main du Seigneur a visité ton âme. Parce que ton âme était déjà à sec. Tu n'avais plus de force de prier. Tu n'avais plus la force encore de l'espoir de la vie. Mais parce que nous avons prié, le Seigneur a renouvelé l'espoir de ta vie. Et je sais qu'il y a une autre dimension qui commence. Et ce matin, je vais parler rapidement un point très très capital que nous allons pouvoir parler ce matin. Je parle sur un thème intitulé « Ma famille est consolée ». Ma famille est consolée. Je t'explique encore, ma famille est consolée. Prends ta Bible rapidement dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du 11e verset jusqu'au 16e. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. On peut se lever. Luc chapitre 7, verset 11. À partir du verset 11, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle, beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, Ne pleure pas. Il s'approcha. Et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient. S'arrêtèrent. Il dit. Jeune homme. Je te le dis. Lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Disant. Un grand prophète. Apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Assois-toi dans la gloire. Je parle ce matin sur ma famille est consolée. Ma famille est consolée. La famille est composée du père, mère et les enfants. Et maintenant, il y a un problème qui me touche dans cette famille. On constate déjà qu'il y avait la disparition du père. Alors, la famille était déjà à moitié. Il restait que maman et un seul garçon. Et chose grave qui me touche encore. Le seul garçon qui restait dans cette famille était encore mort. C'est-à-dire, je trouve que la famille avait connu un choc. Était en train de se vider. Le père est mort, après le seul fils est mort. Mais une chose qui me touche, cette maman était déjà veuve. Elle avait déjà les douleurs de la mort de son mari. Parce qu'elle était partie en mariage dans l'espoir que je serai béni, dans l'espoir que je ferai quelque chose, dans l'espoir que moi aussi j'aurai une famille. Étant dans le mariage, il y a eu disparition de l'homme. L'homme est mort. Et quand l'homme était mort, la joie de cette femme, l'espoir de cette femme, l'héritage de cette femme était dans qui? Dans son fils unique. Je vais t'expliquer une chose. Quand le diable peut secouer ta vie, le diable peut tuer la personne importante dans ta vie. Et il ne se fatiguera pas. Il va encore poursuivre la deuxième personne importante. C'est pour cela, les gens qui meurent dans la famille ne sont pas n'importe qui, mais ce sont les personnes importantes. Ce sont les personnes qui peuvent émerger dans la famille. Ce sont des personnes qui peuvent faire de grandes choses dans la famille. Lorsque la sorcellerie de la famille veut attaquer les gens dans la famille, on n'attaque pas n'importe qui, on attaque les hommes importants, les femmes importantes, les personnes importantes, les gens qui peuvent émerger, les gens qui peuvent aller loin. Ce sont ces personnes qu'on attaque. Et lorsqu'on les attaque, je suis en train de dire, parce que tu ne connais pas, lorsque vous êtes dans une famille, quelqu'un qui a l'argent, il fait la fierté de la famille. Il élève la famille. Mais il ne faut jamais mal parler et combattre dans la famille les gens qui ont de l'argent. Sinon, toi, tu n'en auras pas. Oh! En Afrique, nous avons un problème. Lorsque quelqu'un a l'argent, il faut le détruire. Il faut l'enterrer. Mais vous oubliez que dans chaque famille, il y a un Joseph. Quand vous enterrez Joseph, personne ne peut remplacer Joseph. Joseph est unique dans la famille pour relever la famille et il fait la fierté de la famille. Même s'il ne te donne pas cet argent, mais étant dans la famille, il donne la couleur de la famille. Il est tenté de donner une décoration dans la famille. Au lieu que les gens vous sous-estiment, les gens vous donnent l'honneur, la gloire, parce qu'il sait qu'il est frère à tel, il est sœur à tel. Ça t'honore et ça fait quand même la joie dans la famille. Alors, à cause de ça, il faut être content et il faut prier pour ton frère, il faut prier pour ta soeur, parce que c'est Dieu qui élève, Dieu
Dieu n'a pas créé les doigts de la même dimension. Même sur ma main, chaque doigt a sa taille. Et chaque personne dans la famille a sa taille, à son niveau de la vie. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Dans chaque famille en Afrique, nous avons la guerre dans la famille. Tu vas voir, celui-ci combat l'autre. Et l'autre aussi combat l'autre. C'est-à-dire, il y a toujours le conflit. Mais nous oublions que nous sommes une seule famille. Nous composons un seul nom. Et l'ennemi est déjà entré dans la famille pour pouvoir détruire ta famille. Mais laisse-moi te dire, dans la prophétie de ce matin, votre famille sera consolée. Je répète encore, votre famille sera consolée. Le mariage qui a disparu va revenir. Les finances qui ont disparu vont revenir. La joie qui a disparu va revenir. Si ton amen est très fort, vous recevez. Assois-toi. Alors, on constate que dans cette famille, il y a eu déjà un cas de mort. Le père était déjà mort. Et lorsqu'on parle de père, on parle de la tête de la famille. Il était déjà mort. Et cette femme était restée seule. Elle s'est débrouillée seule. Elle cherchait l'argent seule. Elle partait faire tous les marchés seule. Et son espoir, si je mourrai demain, j'ai mon fils. C'est lui qui va m'enterrer. C'est lui qui va faire tout. Or la Bible dit, l'honneur c'est quand les fils enterrent leur mère. Mais la malédiction c'est quand les mères enterrent leurs enfants. Et qu'est-ce qui arrive ici? Je trouve qu'il y a eu un problème dans cette famille. L'ennemi était entré dans cette famille pour finir avec la famille. Qui est l'ennemi qui est entré chez vous pour finir avec votre famille? L'ennemi a commencé à tuer le père, la tête de la famille. Il ne s'était pas arrêté par là. Il a commencé à descendre pour détruire encore dans la famille. Il devait finir avec qui? L'enfant, l'héritage, et qui était héritier dans la famille. Qui est derrière toi pour finir avec toi? Laisse-moi te dire, le combat que tu as n'est pas simple. On sait que c'est toi le Joseph de la famille. On sait que c'est toi qui auras l'argent dans la famille. On sait que c'est toi qui feras les grandes dans la famille. C'est pour cela qu'ils te font la guerre. Je viens comme un caterpillar qui a perdu le frein pour te dire dans ta vie ce matin que le diable le veut ou pas, tu deviendras prospère. Mon Dieu te remettra dans la position. Mon Dieu te remettra dans la gloire. Mon Dieu te remettra dans l'élévation. Mon Dieu te remettra dans un mariage de gloire. Reçois ta part. Assois-toi dans la gloire. Et chose grave encore, comment ce père peut mourir tôt et laisser cette maman qui était jeune? Qui t'a abandonné jeune? Qui t'a humilié jeune? Tu élèves les enfants seuls. Tu fais tout seul. Tu es devenu papa, maman. Tu es devenu maman, papa. Et tu ne connais pas comment faire. C'est toi qui payes Eneo. C'est toi qui payes Kamwata. C'est toi qui payes le courant. C'est toi qui payes la maison. La provision, c'est toi. Tu n'as pas les devants. Tu n'as pas les derrière. Tu ne connais pas à quand est-ce que j'aurai encore l'argent. Comment je vais faire? Écoute-moi, il y a une personne qui s'appelle le Dieu des abandonnés. Là où on t'abandonne, il devient ton père. Là où on t'abandonne, il devient ta force. Là où on t'abandonne, il s'approche de toi. Là où on t'abandonne, il veut faire le miracle. Si ton amen est très fort, tu reçois. Dans la Bible, il y a une personne qu'on avait abandonnée. Vous savez, il y a une personne qu'on avait abandonnée. Pourquoi on l'avait abandonnée? Parce que cette femme s'appelait Agar. Agar a été abandonnée avec son enfant. Même son mari n'était pas mort, mais son mari était vivant. Mais le mari vivant a abandonné Agar. Il a dit que non, son rôle est fini. Il n'a qu'à partir. Agar est restée seule avec Ismaël. Mais comme Dieu, Agar était déjà dans l'alliance. L'alliance de quoi? L'alliance de la bénédiction d'Abraham. Dieu a voyez un ange. L'ange est venu là où il y avait Agar. Il a regardé Agar. Agar qui demandait la mort.
parce que Agar disait, je vais faire quoi? Comment je vais nourrir l'enfant seul? Comment je vais faire? L'ange est venu, il l'a frappé, il a créé un puits où il a donné à Agar de boire de l'eau avec son enfant. Écoutez-moi, il y a un ange sur ton chemin. Tu n'es pas seul. Il y a un ange sur ton chemin. Il y a un miracle sur ton chemin. Là où tu vois que c'est fini, Dieu enverra un ange. Là où tu vois que je suis au bout, Dieu enverra un ange. Tu ne tomberas pas. On ne t'enterrera pas pauvre. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas malheureuse. Je vois un ange devant toi. Je vois un ange entrer dans votre famille. Je vois un ange ouvrir dans votre famille. Je vois un ange en train de nettoyer le chemin. Personne ne t'enterrera. Personne ne te détruira. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Alors l'ange s'approcha de... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Ismaël est riche aujourd'hui? Parce que Ismaël est entré sur le boulevard d'Abraham. Ah. Si Ismaël était né dans un boulevard des malheureux, il ne devait pas être riche. Dans le monde actuellement, écoute-moi, Dieu avait déjà dit à Abraham, je rendrai ta postérité bénie et prospère et riche. Vrai ou faux? Maintenant, Abraham, c'est à lui de canaliser comment je vais faire pour avoir une postérité riche. Parce qu'Abraham marchait déjà avec la promesse que le fruit qui sortira de toi sera béni. Alors Abraham se précipite parce qu'Abraham avait le pétrole dans les reins. Il va aller quelque part. Là, il va aller déposer le pétrole. C'est pourquoi Ismaël est devenu le numéro un dans le pétrole, dans le monde entier. Et comment il le fait? Abraham va aller déposer le pétrole chez Agar. Écoute-moi, ne joue pas avec tes promesses. Parce que tes promesses sont très très fortes. Il ne faut pas se négliger. Parce que tu y es au bout. Non, même si tu y es au bout, tu es l'enfant de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Mon Dieu ne te laissera pas. Il se lèvera dans ta vie. Il se manifestera dans ta vie. Si ton âme est très fort, tu reçois. Un enfant de promesse, même si tu le trouves malheureux, embondi de la route, il a la promesse. Parce qu'il sait que son rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand la famille va te malmener, quand tout le monde va t'abandonner, la promesse parle, la promesse crie, la promesse appelle les miracles. Quand tu marches avec la promesse, c'est comme une femme enceinte. Tu marches avec quelque chose en toi. Tu peux manquer l'argent aujourd'hui, mais tu as l'argent dans ton ventre. Oh oh, il fallait que 9 mois arrivent pour que l'enfant la sorte, pour que l'argent la sorte. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Suis-moi, ce que je suis en train de parler est tellement costaud. Parce que votre famille est abandonnée à elle-même. Vous ne connaissez pas à quand la visitation, à quand les miracles dans la famille. Et vous savez, c'est plus quand il y a la galère dans la famille, c'est là qu'il y a trop de disputes. Et quand il y a trop de disputes, il y a trop de portes qui sont ouvertes dans la famille. Et la mortalité entre dans la famille parce qu'on a ouvert des portes. Et le diable n'aime pas la famille. La famille est sacrée, mais le diable n'aime pas la famille. C'est pour cela que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Même si ton père c'est un diable, honore-le. Parce que c'est un diable qui t'a porté pour t'amener sur la terre. Même si ta mère c'est un diable, honore-la. C'est le diable là qui a porté ton nom pour t'amener sur la terre. Maintenant, écoute ce que je vais dire. Cette femme maintenant va constater la mort de son enfant. La mort de qui? Quand l'enfant est tombé malade, je ne sais pas, dans sa tête, il disait que non, c'est une maladie, une épidémie, ça va passer. Et l'enfant est mort. Je t'explique une chose. J'ouvre une parenthèse. On vit une fois. Pas deux fois, on vit une fois. Ah, on vit une fois. Tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas le parcours de ta vie. Pose-toi des questions que si aujourd'hui tu meurs, qui va s'occuper de tes enfants? Si aujourd'hui tu meurs, dans votre famille, tu constates qui a de l'amour pour prendre tes enfants en charge?
D'abord, tu es en vie, personne n'est là. C'est-à-dire, tu constates bien que dans votre famille, vous avez un problème. Et sur la terre, si tu ne combats pas pour toi, personne ne combattra pour toi. Et deuxièmement, aussi sur la terre, chaque personne dans une famille, si tu ne fais pas très fort, tu ne seras pas grand. Et les jours que toi, tu auras l'argent, toute la famille va se fâcher contre toi. Parce qu'il y a des personnes qu'on a déjà mis les cachets sur leur face, ils seront soumis à nous. Ils seront esclaves. Et le jour que toi, tu as l'argent, il faut que tout le monde entre en réunion. Il a eu cet argent, comment? Qui lui a même autorisé ça? La réunion des familles va se faire contre toi. Pourquoi tu as eu l'argent? Et le jour que tu vas acheter la voiture, il y a certaines personnes qui disent, la famille a dit que lui ne peut pas conduire la voiture. Mais lui, il va toujours prendre les transports. Le jour que tu trouve l'argent pour acheter la voiture, il faut que cet argent finisse. Soit on les prend, soit on les escroque, soit ça part sur une affaire qui n'existe pas. Parce qu'il y a une loi qui a dit que toi tu ne seras pas. Il y a aussi des lois qu'on a dit que toi, un homme peut t'aimer, mais un homme ne peut pas te marier. C'est une loi de la famille. Tu peux voir une personne qui t'aime, mais quand tu pars de mariage, tu dis, oh là là, on va voir ça, on va voir ça dans quelques années. Mais est-ce que tu peux aller voir mes parents? Je vais voir. Et pour finir, ils t'abandonnent avec la grossesse, ils s'en vont. Ça, ce sont des problèmes qui arrivent. Il y a aussi des familles où on a dit que toi, tu ne seras jamais heureuse. Tu tournes, mais tu dois toujours rester chez ton frère. C'est pour cela, un conseil gratuit que tu ne payeras pas un franc, c'est lequel? Dans ta vie, si tu trouves une occasion d'avoir un peu d'argent, vis chez toi, ne vis pas chez quelqu'un. Et avec cela, tu vas décoller. Mais si tu vis sous la responsabilité de quelqu'un, la force là va te dominer. Il y a des lois, quand tu es dans la maison familiale, tu ne peux pas aller loin. Et qu'il faut sortir de la maison familiale. C'est pour cela que tu trouves que Dieu dit à Abraham, sors de la maison familiale. Parce que ton père c'est un sorcier. Mais comme Dieu ne peut pas te séparer de ton père, il faut vivre quelque part. Et vivre avec un sorcier, dormir avec lui dans la même maison, et sur les mêmes lits, même chambre, c'est trop dangereux. Mais vivre avec un sorcier de loin, c'est aussi très bien. Parce qu'il va comprendre comment je vais faire pour arriver là où il est. Et c'est avec toi, il faut que tu vives un peu séparé. Lorsque tu as un peu 10 000 francs, 20 000 francs, cherche une petite maison. Même s'il n'y a rien à l'intérieur, achète un matelas, mets ça au sol d'or. Plus tard, Dieu te prendra de la poussière. Il va t'élever. Alléluia. Ne te contente pas de la maison des grands frères, de la maison des grandes sœurs. C'est une grande maison. Non, ce n'est pas ta maison. Ça va te bloquer. Il y a des maisons qui bloquent les gens. Il y a des maisons qui attachent les gens. Parce que tu vas te contenter de cette maison. Aucune fois, tu n'auras jamais ta maison. Et aucune fois, tu ne peux pas décoller. Pour décoller, il faut sortir dehors. Dieu a dit à Abraham, sors dehors. C'est-à-dire, toi, de me quitter de la maison de son père. Ce qui te bloque beaucoup plus, c'est la loi de vivre dans la maison de ton père. Écoutez-moi, lorsque tu vis chez toi, tu deviens responsable. Et quand tu deviens responsable, Dieu peut te parler des choses où il parle aux responsables. Et en ce moment-là, tu peux décoller. Mieux vaut avoir un chez toi où tu mets la clé et non tu toques, on ouvre pour toi. C'est trop dangereux. Et c'est pour cela que j'ai toujours enseigné tous les jours. On ne peut pas toujours rester à toquer la porte. Grande sœur, je suis là. Au grand frère, je suis là. J'étais parti dans la fête. On est rentré tard. Non, ça doit finir. 2019, et ta maison, et ta voiture. Et tout ce qui t'appartient. Si ton âme est très fort, tu reçois. Ne te contente pas quand je dis toujours que tu seras prospère. Ne t'attends pas d'avoir une maison de 200 000, une maison de 300 000. Commence par une maison de 8 500. Tout ça, c'est toujours la vie. Dans le parcours d'une personne, tout commence quelque part. Tout commence quelque part. Si quelqu'un me trouve aujourd'hui, il a besoin de devenir comme Gaston Flamme. Si Dieu te fait quelques années plus tard, tu vas voir qu'il a commencé quelque part. On ne devient pas, écoute-moi bien, on ne devient pas grand en un jour. Ah. Et d'abord, quand tu commences grand, tu vas tomber. Or, quand tu tombes, les gens qui étaient en dessous de toi vont te dépasser. Mieux vaut commencer petit pour que tu suives les grands qui ont des références. Il ne faut jamais commencer grand, mais il faut commencer qui? Petit. Oh oh, tu n'es pas là. Il faut commencer qui? Petit. Hey, accepte de commencer petit. C'est pour cela, même à l'école, on commence par maternelle. On commence maternelle, primaire. Après, on part au collège. Tout commence par petit. Et Dieu avait découvert ça après avoir créé Adam. Parce que Dieu a créé Adam grand, mais il n'avait pas créé Adam petit. Et Adam grand, c'est Adam problématique.
Ok, je vais fermer une parenthèse que je viendrai un jour pour t'expliquer pourquoi Adam a eu trop de problèmes d'écouter la femme. Parce que Adam n'avait pas eu l'éducation de bas âge. Adam a été créé grand. N'accepte pas de te contenter de l'argent de ton père. Mon père a des maisons partout. Ce sont les maisons de ton père. Toi, tu y as quoi? Et voici, s'il y a des grands garçons comme ça qui ne veulent pas avoir leurs propres responsabilités, tous les jours il attend la mort de son père pour aller se tirailler sur les richesses, l'héritage de son père. Et c'est, il est focalisé là. Dès qu'il apprend que papa est mort, grand frère est mort, il abandonne tout pour aller se chabailler. Je vais avoir ma part, je vais avoir ma part. Mais toi, quand tu vas mourir, tu vas laisser quoi? Lui a laissé ça, mais toi tu vas laisser quoi? Et ce sont toujours les pentecôtistes mal enseignés qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et ils sont là en train de se focaliser. Quand mon père va mourir, non, quand moi je vais mourir, je vais laisser Serge, il va prendre. Je vais laisser Cyclody, il va prendre. Je vais laisser Vicardi, il va prendre. Parce que mes richesses, c'est leurs richesses. Oui, ce que j'ai travaillé là, c'est pour eux. Alors, mon petit frère ne peut pas venir. Mon petit frère Eric ne viendra pas. Mon petit frère Georges ne viendra pas. Mon petit frère Léon ne viendra pas. Mon petit frère Célé ne viendra pas. Mon petit frère Jacques ne viendra pas. Mon petit frère, j'en ai 9. Ils ne viendront pas toucher. Parce que la richesse là, c'est la richesse de leur père. Je voulais dire quelque chose, mais je vois ton amen est loin. Dieu ne peut pas permettre que tu sois grand. Mais Dieu permet que tu sois petit pour devenir grand. Alléluia. J'ouvre une parenthèse tout à l'heure qui va te convaincre. Une parole très forte. La femme était déjà avec son enfant. Quand l'enfant est mort, l'enfant là n'était pas l'enfant d'une autre personne. Mais c'était l'enfant de cette femme. Cette femme a pleuré. Il a dit, appelez-moi mes frères. On a appelé ses frères. On a appelé ses sœurs. On a appelé les gens qui vendaient avec elle au marché. On a appelé ses amis. Ils sont venus pleurer. Pendant qu'ils pleuraient, personne ne consolait la femme. Il y a des personnes qui t'accompagnent mais qui ne te consolent pas. Non, tu n'es pas là. Maintenant, qu'est-ce que je trouve dans ce passage? Je trouve que cette femme est en train de pleurer, mais il n'y a pas de consolation. Les gens sont venus nombreux. Nombreux pour pleurer, mais pas de quoi? De consolation. C'est ce qui te manque. Tu y as la famille, mais pas de consolation. Tu y as des amis, mais pas de consolation. Tu y as des relations, mais pas de consolation. Alors, pendant que la femme a pleuré, il y avait les gens qui étaient venus du village. Quand ils sont arrivés, les autres disaient que non, comme nous partons là, nous allons lui dire de vendre toutes les choses, on va rentrer au village. Parce qu'il ne sait rien de rester en ville, son mari est mort et elle-même vient de perdre encore son fils. Alors il doit rester pourquoi? On doit regagner le village. Et il pleurait. Les autres disaient, après ce deuil, je vais récupérer la valise des enfants là. Parce que ces garçons avaient le même âge avec mon fils. Alors les habits de ces garçons peuvent aller avec mon fils. Les autres étaient là en train de pleurer. Elle se vantait même quand son mari était là. Maintenant que son enfant est mort, on va voir ce qu'il va devenir. Dans les groupes qui t'entourent, il y a les gens qui t'apprécient, il y a les gens qui doutent de toi, il y a les gens qui te combattent. Tout le monde qui t'appelle, oh tonton, tu es belle, tu es... Attention, tu ne connais pas leur mission. Ils sont venus à mission pour travailler. C'est pour cela que je suis en train de te dire, tout le monde qui dit que je t'aime, tout le monde qui dit que je vais t'aider, tout le monde qui te dit que on va... Tout le monde, non, tu ne connais pas l'objectif de chacun et de chacune. Alors, écoute ce qui m'étonne, moi. Cet homme, ce garçon était déjà mort. Comme ils attendaient, et il n'y avait pas ce temps-là les corbières. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit que non, il faut qu'on puisse aller l'enterrer. Ils ont cherché les cercueils. Le menuisier est venu prendre des mesures. Il a fini les cercueils. On a lavé les corps. On a posé dans les cercueils. On a dit que c'est fini. Je sais que ta vie là est déjà dans un cercueil quelque part. Les gens attendent te voir pour dire que c'est fini. Les gens attendent te voir. On va l'enterrer. Si on enterre tout le monde, toi on ne va pas t'enterrer. Oh. Toi, on ne va pas t'enterrer. Tu as un parcours de héros. Tu n'as pas encore fait quelque chose. Tu n'as pas encore libéré quelque chose. On ne peut pas t'enterrer, toi. On ne peut pas. On ne peut pas t'enterrer, toi. Non, on ne peut pas t'enterrer. Écoutez-moi.
moi. Si c'était encore l'homme, oui. Si c'était encore la femme, lui. Mais l'enfant, à quel parcours? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que tu meurs? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que tu meurs? Pourquoi on veut ta mort? Tu as déjà laissé quoi? Quel est ton parcours pour que tu meurs? À ma qualité de prophète majeur, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ. J'arrête la mort au nom de Jésus-Christ. J'arrête la souffrance au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu t'accorde les miracles. T'accorde les miracles. Reçois cela. Accordez-moi 11 minutes, je vais finir et ta vie change. Assois-toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore fait la vie. Tu n'as pas encore voyagé. Tu n'es pas encore dit que non, je suis aux États-Unis, je dois aller demain au Canada. Non, non, ta vie, tu n'es que le matin de ta vie. Ta vie vient de s'élever. Personne ne va t'enterrer. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Personne ne va te détruire. Tu es au petit matin de ta vie. Quiconque se lève contre toi, j'annonce sa défaite au nom de Jésus. Personne ne te détruira. Personne ne t'enterrera. Non, non, non. Tu viens de te lever. Tu fais que de commencer. J'ai dit, tu viens que de commencer. Il y a un parcours que tu vas faire. Il y a une grâce que tu vas faire. Tu n'as pas encore fait quelque chose. Tu as acheté quoi? Tu as quelle qualité de maison? Tu n'as rien. Je prophétise que mon Dieu te fasse les miracles à ce jour au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse les miracles à ce jour au nom de Jésus. Assois-toi dans la gloire. Je répète encore que si c'était même la mère, oui. Le père, oui. Mais l'enfant. Écoute-moi, écoute-moi. Ton enfant qui est malade, qu'on a mis la maladie bizarre. Oh, 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 oh. Je prophétise que cette maladie soit enlevée dans le corps de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie soit détruite du corps de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, tous les téléspectateurs de Flamme TV qui nous suivent partout dans le monde, qu'on a voulu détruire vos enfants, j'annonce la délivrance de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Recevez les miracles. Recevez les miracles. Recevez les miracles. Assois-toi dans la gloire. Tu n'es qu'au début de ta vie. Ta vie n'est pas encore finie. Ton ministère n'est pas encore fini. Il y a un parcours. Et même si tu tombes, la Bible dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? L'on tombe, mais relève-toi, parce que le chemin est trop long pour toi. C'est pourquoi Dieu dit à Élie, celui qui a le ministère, on ne l'enterre pas. Dieu dit à Élie, mange et bois, parce que le chemin est trop long pour toi. C'est pour cela que je te dis que frère, ne détruis pas ton corps avec les jeûnes inutiles. Mange et bois, parce que le chemin est trop long pour toi. Tu ne connais pas ce que Dieu peut faire. Ne crois pas que c'est en jeûnant aujourd'hui que les choses vont changer dans ta vie. Non, ne détruis pas ton corps. Je répète encore. Ne détruis pas ton corps. Je répète encore. Ne détruis pas ton corps. Sinon, le jour qu'on aura besoin de toi en Allemagne pour prêcher la parole, on va dire que papa pasteur, il a l'estomac. Papa pasteur, ça ne va pas. Alors que tu as détruit ton corps à bas âge avec les jeûnes inutiles pour avoir inutile, pour recevoir inutile. L'onction ne se donne pas avec les jeûnes, mais l'onction se donne comme je suis en train de parler. Tu dis amen, ça entre en toi. Tu dis amen très fort, ça entre en toi. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Le parcours que tu as est trop long pour toi. Non, ne joue pas avec ton corps. Il faut bien garder ton corps. Fais tout de faire l'espoir que tu n'aies pas de maladies bizarres sur ton corps. Parce que le parcours est trop long. Ah, c'est trop long. Tu dois arriver là où les gens n'arrivent pas. Et tu vas leur dire quoi? Non, je voulais venir prêcher. Mais ce matin, comme j'ai souvent les gastrites, ça ne va pas. L'estomac, non, ça ne sont pas les maladies des pasteurs. Et les gens font ça parce qu'ils entrent en jeûne eux-mêmes. Ils se réveillent le matin, ils te disent que comme ça ne va pas, et comme je n'ai rien à manger, je vais seulement jeûner.
fais les grèves de faim, tu ne gênes pas. Pour gêner, il faut mettre la provision à la maison. Les gens mangent, tu entends des bonnes odeurs et toi tu ne manges pas. Et là on dit que tu es en train de me gêner. Mais quand à la maison il n'y a rien et toi tu gênes, tu as fait grève de faim. Va dans un quartier au marché, achète chicken, viens manger à la maison et le diable aura la honte. J'ai mal parlé. C'est ce qui te dérange, c'est ça. Gêner en désordre. Tu te réveilles le matin, demain je vais gêner. Tu gênes par rapport à quoi? On gêne quand Dieu parle à son serviteur, le prophète. L'Éternel dit que pendant 3 jours, on va gêner. Et là, tu gênes. Et même quand Dieu me parle de jeûner, mes jeûnes ne constituent pas les jeûnes du dehors. Vous allez toujours entendre qu'on va jeûner de 13 heures jusqu'au... C'est pour que le corps ne soit pas détruit. Parce que la nourriture constitue au bon fonctionnement de ton corps. Tu ne peux pas refuser la nourriture pour dire que non, je vais aller loin. Non! Mais voici en train de prêcher. Hier, j'ai mangé bien. Avant-hier encore, j'ai bien mangé. Alléluia! Est-ce que mon onction est partie? Reçois le miracle. Assois-toi, je vais vider quelque chose rapidement. Alléluia. Alléluia. Mange. Aie la bonne mine. Marche très bien. Ne détruis pas ton corps tôt. Vous savez, plus tu gênes beaucoup, plus tu sens que tu deviens pâle. Tes yeux deviennent pâles. Même ta peau est gâtée. Et pour finir, même les maris qui te suivent ont dit que c'est comme si celui que j'avais vu le premier jour là, ce n'est pas elle. Alors que c'est toi. Pourquoi gêne maléfique? On appelle ça gêne comment? Maléfique. Alléluia. Alléluia. Je vais finir. La Bible dit ceci. Les jours suivants, écoute-moi, Dieu fait toujours quelque chose dans les jours suivants. Ah, ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle les jours suivants. Dieu peut faire un miracle en un jour. One day. C'est-à-dire, tu dors la nuit, demain matin, un miracle arrive. Tu dors la nuit, celui qui t'avait abandonné, il t'appelle demain. Tu dors dans la nuit, même on ne te cherchait pas, on commence à te chercher. Je prophétise sur ta vie. Oh, à partir de demain, que ce qui était parti revienne. Que les miracles reviennent. Que les changements reviennent. Que la restauration revienne. Que les finances reviennent. Que les mariages reviennent. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe quoi. Les jours suivants, les garçons du quartier portaient le corps pour aller l'enterrer. Il y avait les gars qui disaient, on va voir. Les autres avaient dit que creuser les puits. Les autres ont déjà creusé les puits. On attend le corps. Au cimetière, on attend le corps, le puits est déjà là. À la maison, les autres disent que non, nous on n'a pas la force. L'autre dit que je vais m'asseoir ici pendant un mois. Comme c'est ma grande sœur, je vais la soutenir dans ses deuils. Je ne peux pas l'abandonner parce que c'est le seul espoir qu'elle avait. Mais il ne savait pas que ton corps n'arrivera pas. Je dis, ton corps n'arrivera pas. Ah, le cimetière est là. Mais toi, ton corps n'entrera pas là. La Bible dit, pendant qu'ils s'en allaient à l'entrée des cimetières, ils ont vu un homme pas comme un homme. Ils ont vu une image pas comme une image. Ils ont vu l'apparition d'un homme qui n'est pas comme l'apparition d'un homme. Un homme qui marchait. Il y avait les pierres, les gens, les Jacques derrière lui. Les gars qui disaient que, maître, tu vois ce qui est devant. Attention, pendant que tu dis qu'il n'y a pas quelque chose, il y a déjà quelqu'un devant toi. Il y a déjà une personne devant toi. La personne vient en ta direction. C'est toi qui ne les vois pas encore. Mais les sorciers savent que l'année 2019, il y a la lumière dans ta vie. L'année 2019, il y a le miracle dans ta vie. Reçois ta part. Assois-toi dans la gloire. Alors pendant ce moment, pendant qu'il marchait, le gars vient avec le corps. Tu sais, souvent les gars qui portent le corps sont souvent impolis, insolents. Ils sont bizarres.
Parce qu'on ne peut pas porter l'école, il faut d'abord prendre un peu de chanvre pour avoir la force d'insulter les gens et pour avoir la force de mal parler aux gens. Et c'est comme ça. Alors dans chaque quartier, il y a les gardes du quartier qui sont importants quand il y a des. Et ce sont les gardes là qu'on est parti chercher en dessous de votre quartier là. Les gardes là fument, ils ont des bizarres, des comportements bizarres. Ils insultent tout le monde. Quand ils finissent pour enterrer, quand ils rentrent à la maison, vous devez leur donner à boire la boisson, pas une petite quantité, beaucoup. Et ils doivent manger trop de couscous parce que ce sont d'abord les gardes très affamés qui marchent avec la famille tous les jours. Mais qui ont la force, ils sont dans chaque quartier. Vrai ou faux? Et les gardes là portent le corps. À l'entrée. Le problème c'est à l'entrée. Est-ce que tu sais que tu es à l'entrée de la pauvreté, mais tu n'entreras pas dans la pauvreté? Alléluia. Je dis, tu es à l'entrée de quoi? De la pauvreté, mais tu n'entreras pas dans la pauvreté. Ah! Tu es à l'entrée là, tu sens l'odeur de la pauvreté, tu sens l'odeur de la souffrance, mais tu n'entreras pas dans la souffrance. Assois-toi, je te dose. Il me reste 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Mon fils, ma fille, ne crois pas à quelqu'un qui est derrière toi. Crois en toi-même. Fais comment? Crois en toi-même. Alors qu'est-ce que la Bible dit? À l'entrée de la ville, ils ont vu l'apparition d'un homme. J'aime cet homme. Il apparaît quand on est abattu. Il apparaît quand tu n'as plus l'espoir. Il apparaît quand l'homme t'abandonne. Il apparaît quand les enfants t'abandonnent. Il apparaît quand ta femme t'abandonne. Il apparaît quand le travail t'abandonne. Il apparaît quand l'élévation t'abandonne. Il apparaît quand les finances t'abandonnent. Il apparaît quand tu regardes les devants te regardent. Tu regardes derrière, derrière te regardent. Tu ne connais pas qui suis aujourd'hui, ma vie n'a point d'espoir. Où irai-je encore? Je ne vois pas encore un chemin. Je regarde les devants, je vois flou. Je regarde derrière, je vois flou. Ma vie n'a pas encore de l'avenir. Il y a le moment où quelqu'un reste dans sa maison, il n'a plus besoin de parler, mais il laisse le parler. Les enfants disent, maman, donne-nous à manger. Mais tu sais que je n'ai pas à leur donner. Au lieu de leur dire qu'il n'y a pas à manger, les larmes coulent seules. Parce que pendant ce moment, c'est l'expression du cœur. Et pendant ce moment, la bouche n'a pas de mots, mais le cœur est en train de souffrir au-dedans. Et pendant ce moment-là, tu peux regarder, tu te poses des questions. Moi que tout le monde appelait chaque matin pour leur envoyer des vivres, pour leur envoyer à manger, mais présentement je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant ce moment où tu sens que tu n'as plus rien, où tu sens que le devant est bloqué, pendant ce moment, il y a quelqu'un qui s'appelle le mari des veuves. Il y a quelqu'un qui s'appelle le père des orphelins. Il y a quelqu'un qui s'appelle le papa des abandonnés. Ce Dieu-là, il ne peut pas t'abandonner. Pendant que tout le monde dit que c'est fini pour toi, lui dit qu'il y a encore de l'espoir. Pendant que les gens disent qu'on va voir ce qu'il va devenir, lui dit que je veux faire tout, qu'il devienne grand. Pendant ce moment, il y a le moment où tu n'as plus la force de parler. Il y a le moment où tu n'as plus encore l'espoir de ta vie. Il y a le moment où tu doutes même, est-ce que je suis enfant de Dieu ou bien je ne suis pas enfant de Dieu? Est-ce que Dieu va-t-il encore me bénir? Et c'est pendant ce moment-là que tu regardes la vie te déçoit. Tu regardes ta chair te déçoit. Tu regardes les relations déçoivent. Et tu rentres celle dans la maison, tu ne sais pas quoi dire encore. Tu leur avais promis que d'ici un mois, je vais finir ce problème. Mais un mois arrive, deux mois arrivent, trois mois arrivent, quatre mois arrivent. La solution n'a pas été donnée. Et pendant ce moment, au lieu que tu parles, ce sont les larmes qui coulent. Au lieu que tu parles, ce sont les larmes qui coulent. Il n'y a que l'expression du cœur. Et pendant ce moment, tu regardes là où il y avait l'espoir. L'espoir est en train de disparaître. L'espoir est en train de partir. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais devenir dans ma famille? Qu'est-ce que je vais faire encore dans ma famille? Est-ce que j'ai la famille ou bien je n'ai pas la famille? Et dans votre famille, pendant ce temps-là, vous vivez ce qu'on appelle chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a personne qui peut s'occuper de toi. Il n'y a personne qui peut t'appeler. Pendant
pendant ces moments critiques, tout est devenu noir sur toi. Et pour finir, l'autre commence à t'appeler que c'est toi le sorcier de la famille. L'un t'appelle que tu es entré dans les choses là pour sacrifier la famille. On te constate que tu es sorcier. Tu te poses des questions. Quand est-ce que j'ai eu la sorcellerie pour combattre ma famille? Parce qu'on constate que ta vie n'avance pas. Parce qu'on constate que ta vie n'avance pas. Et tu es, si tu es dans un mariage, le mari te réveille à minuit. Il te dit que ma famille a dit que tu es sorcière. Parce qu'avant toi, j'avais l'argent. Depuis que je t'ai connu, je n'ai plus de l'argent. Où irais-je encore? Et pendant ce moment-là, je te présente un homme. L'homme qui ne déçoit pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le défenseur des gens. Il s'appelle le juge des gens. Il peut faire un miracle là où il n'y a pas de miracle. Il peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il peut ouvrir un miracle là où il n'y a pas de miracle. Cet homme-là, il est très fort dans ta vie. Il peut faire un miracle ce matin. Il peut changer ta vie ce matin. Il peut élever ta vie ce matin. Ton corps n'entrera pas dans les cimetières. Ton corps n'entrera pas dans les célibats. Tu sens l'odeur de célibat parce que l'âge pousse. Tu sens l'odeur de stérilité parce que tu regardes que trop de maladies. Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais tu n'y entreras pas. Dieu a consolé mon peuple. Un grand prophète a apparu parmi nous. Je suis le prophète qui est apparu dans ta vie. Pour libérer la chance, pour libérer le bonheur, pour libérer la richesse, pour libérer l'argent. Là où il n'y avait pas l'argent, l'argent va venir. Ma rencontre avec toi, ce n'est pas un hasard. Dieu connaissait que tu n'as plus un homme dans ta vie, tu n'as plus un frère dans ta vie, tu n'as plus un père dans ta vie, tu n'as plus quelqu'un qui peut te consoler. Il envoie un grand prophète. Un grand prophète est apparu. Et Dieu a consolé mon peuple. Rabakataka. Alléluia. Si a sali li se kwa kakata a se kwisi boyanda bakasha yangai kakata kasalo sokina na sopeba loku weso gela kolo ufeti ki esika na wana pa na nzambe. Lève tes mains, sois concentré. Sokina na sopeba. Se fatigue pas. Qui est la personne qui vous combat mais qui ne se fatigue pas? Jesus. Qui est là chaque année pour te renverser? Jesus. Qui est là chaque année pour te détruire? Qui est là chaque année pour te dire que tu ne peux pas avancer?
sa force doit s'arrêter aujourd'hui. Ses expériences vont s'épuiser aujourd'hui. Dieu, c'est ton Père, doit faire un miracle particulier dans ta vie. Il va ouvrir ta vie. Les plus grands combats que tu as eu dans ta vie va s'arrêter aujourd'hui. Va s'arrêter aujourd'hui. Va s'arrêter aujourd'hui. Par la présence de Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour vivre mon miracle. Pour vivre mon miracle. Je suis abandonné à moi-même. Je suis abandonné à moi-même. Dans notre famille. Dans notre famille. J'ai trop de persécutions. J'ai trop de persécutions. J'ai trop de combats. J'ai trop de combats. Je vis les problèmes sur les problèmes. Je vis des problèmes sur les problèmes. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Console ma famille. Console ma famille. Console mes enfants. Console mes enfants. Console ma famille. Console ma famille. Console mes enfants. Console mes enfants. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un changement dans ma vie. Je veux un changement dans ma vie. Je veux un témoignage. Je veux un témoignage. Dans ma famille. Dans ma famille. Quel que soit le nombre de sorciers. Quel que soit le nombre de sorciers. Le malheur ne se répétera plus. Le malheur ne se répétera plus. L'échec ne se répétera plus. L'échec ne se répétera plus. Commence à déclarer la répétition des malheurs d'échec. Arrête, arrête, arrête. Le bakarabaka shekerebo. Le karabaka yeboko shakanaba yama. Le karabaka yeboko shekerebo roma. Le karabaka sekere bodo karabodo. Le karabaka sekere makarabosa. Le karabaka yebokosa. La beke sekere bodo karaba. Le karabaka sekere bodo. La stérilité Seigneur ne se répétera plus. La stérilité Seigneur ne se répétera plus. Ne se répétera plus. Les têtes ne se répéteront plus. La souffrance ne se répétera plus. La pauvreté ne se répétera plus. L'humiliation ne se répétera plus. La stagnation ne se répétera plus. Les problèmes ne se répéteront plus. La stagnation. La souffrance ne se répétera plus. Ne se répétera plus. Ça ne se L'humiliation ne se répétera plus. Seigneur, ça ne se répétera plus. L'humiliation. Le rejet ne se répétera plus. Jamais, jamais. Ça ne se répétera plus. Dans ma vie. Ça ne se répétera plus. Yes, I got a carabo. Yes, I got a shake. Yes, I got a shabakata. Rasavakasha. Ne se répétera. Ne se répétera. Le rejet ne se répétera plus. Dans ma vie. Na. Ça ne se répétera plus. Dans ma vie. Ça ne se répétera plus. Dans ma vie. Ça ne se répétera plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi des mains. Je prophétise. Yes. À partir de ce matin. Amen. La même souffrance. Yes. Qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui. Yes. Et qui est la loi de ta famille. Amen. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Amen. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Amen. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la faveur. Je reçois. Reçois les miracles. Je reçois. Je déclare tout au long de cette semaine. Yes. Les choses importantes.
l'impossible devient possible. Yes. La loi de la souffrance, j'arrête. La loi de la condamnation, j'arrête. La loi de la stagnation, j'arrête. La loi de la souffrance, j'arrête. La loi des rejets, j'arrête. La loi des rejets, j'arrête. La loi des rejets, j'arrête. La loi des dettes, j'arrête. La loi des crédits, j'arrête. La loi des maladies, j'arrête. La loi des manques de percées, j'arrête. Ta famille est consolée. Reçois la consolation de ta famille. Reçois la consolation de ta famille. Reçois la consolation de ta famille. Oh, c'était très très fort. Le message que vous venez de suivre tout à l'heure, la main de Dieu est déjà dans votre famille. Cette famille vient de recevoir une grande consolation. Et tout à l'heure, nous allons prier pour vous. Vous tous qui êtes abattus, vous tous qui êtes déçus, découragés, on va prier pour vous et Dieu va restaurer votre famille. Seigneur notre Père, notre Roi, nous venons devant ta face pour déclarer la restauration de cette famille. Cette famille qui a été vendue dans la sorcellerie, que le diable avait déjà bloqué, je déclare la bénédiction, la restauration, la consolation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette famille devienne libérée, libérée de la malchance, libérée des blocages, libérée de tous les tourments maléfiques. Merci Saint-Esprit, laisse que ta main couvre cette famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous invite tous, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous invite dans nos programmes. Nous prions chaque mercredi, vendredi à 17h. Et nous prions dimanche à 6h30. Alors, venez, vous ne serez pas déçus, parce que l'onction de Dieu est là. Les enseignements sont là, l'onction des miracles, des prodiges, des prophéties, le Seigneur nous accompagne avec. Alors, soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao.